L'église de la Porte Ouverte Chrétienne a depuis ses débuts mis en avant les réunions de groupes de maisons comme un vecteur important de la croissance et de l'édification de l'église. De cette manière, chaque semaine, en parallèle des cultes habituels, plusieurs foyers ouvrent leurs portes pour y accueillir des chrétiens de l'église. Si vous me demandez en quoi les groupes de maisons sont importants, plusieurs pensées me viennent à l'esprit. On a une grâce extraordinaire de voir l'Église grandir et c'est la croissance que Dieu permet. Ensemble, on fait des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Si nous étions une multitude de petits groupes tout seuls, on ne pourrait pas entreprendre tout ce que nous entreprenons par la grâce de Dieu. Ceci dit, dans le livre des Actes, ils se retrouvaient tous ensemble pour célébrer Dieu au temple. Il y avait là une bénédiction, une richesse. Mais en même temps, on voit l'autre pendant. Ils se retrouvaient dans les maisons et ils partageaient leur pain avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu également ensemble. Et la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Et je crois qu'il y a un équilibre entre le grand rassemblement et puis les groupes de maisons où on se retrouve ensemble pour se bénir. Le Seigneur m'a donné une vision claire et nette. Il veut que nous restions une famille. Il m'a montré une grande salle où tout le monde était dans la louange. Il m'a montré dans les maisons familiales des tables, du café qui fumait et les biscuits et les gens qui sont autour des tables. Et c'est là que nous avons commencé les réunions de prière dans les maisons. Le psalmiste dit au psaume 133, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, des sœurs aussi bien sûr. Et je crois à cela, mais en même temps il dit... C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il y a la bénédiction spirituelle, l'onction. Et puis, de l'autre côté, il parle de la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. La rosée, la pluie qui venait de l'Hermon, c'était la bénédiction pour les agriculteurs en Israël. C'était la bénédiction des biens temporels. Et je crois que les groupes de maison permettent justement de se bénir spirituellement et aussi dans les biens temporels. Celui qui a beaucoup peut donner à celui qui a moins. Celui qui n'est pas visité peut être visité par celui qui a plus de temps. Celui qui est déprimé peut être encouragé par celui qui est dans la joie. Celui qui a deux manteaux peut en donner un à celui qui n'en a pas. Et je crois qu'il y a cette dimension de l'amour que Jésus a voulu. Et en même temps, c'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. C'est pourquoi je crois que la maturité de l'Église, c'est tous ensemble pour célébrer Dieu et le servir, faire ce que nous ne pourrions pas faire tout seuls. Et en même temps, ces petits groupes ensemble qui s'aiment, qui sont solidaires, qui s'encouragent et qui voient l'onction de Dieu d'un côté et puis cette bénédiction dans les biens temporels où on s'entraide. Avec le temps, de nombreux groupes de maisons ont vu le jour. Il y a des groupes pour adultes, pour jeunes, pour les femmes et même pour les enfants. C'est l'occasion de se retrouver durant un temps donné pour échanger, partager et vivre les temps de communion fraternelle en petit nombre. À l'inverse de ce qui se passe dans la grande assemblée, où la parole de Dieu est donnée de façon magistrale, dans les groupes de maison, eh bien, elle va pouvoir être discutée, échangée, enrichie par rapport aux différentes opinions des frères et sœurs. Et en plus, chacun pourra exhorter l'autre à la mettre en pratique, ce qui la rendra vraiment vivante. Si la parole de Dieu est rendue vivante, forcément, il y aura la présence de Dieu. Et s'il y a la présence de Dieu, ça donnera envie à d'autres personnes de venir vivre la même chose dans ce groupe de maison. Souvent, des groupes de maison ont à cœur d'organiser des repas à thème, par exemple, où ils invitent des amis. Ou alors, plusieurs groupes de maison parfois se regroupent pour organiser des événements comme des concerts ou des expos bibles. Et tout ça dans un même but, c'est d'apporter l'Évangile à nos contemporains. Nous croyons que les groupes de maison sont la force de l'Église. Car chacun, en tant que disciple de Christ, peut y trouver un moyen de grandir spirituellement et de servir.
Ainsi, l'Évangile est vécu en profondeur. Des groupes de maisons sont un vecteur de croissance, de stabilité, mais aussi d'unité spirituelle au sein de l'Église, permettant ainsi à chacun de participer à la vie de l'Église de manière concrète.